Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle les relations entre la multiplication et la division. Donc, je vais prendre un exemple très simple qui dit quoi? Que si je veux 6 et je veux le diviser en deux groupes. Ça, c'est très simple. C'est 6 pommes et j'ai deux amis. Et je veux partager pour chaque ami va prendre combien? Donc, j'ai pomme 1, pomme 2, pomme 3, 4, 5, 6. Si je divise le en deux morceaux égaux, deux groupes égaux, chaque groupe, premier groupe et deuxième groupe, chaque groupe va avoir 3. Donc, la réponse est 3. On a dit que la multiplication est l'opposé de la division. C'est-à-dire, si je prends le 3 et je le multiplie par 2, ça me donne 6. Donc, pensez toujours de cette manière. Si j'ai 10, je le divise par 2. Encore une fois, c'est 10 pommes et je le divise en deux groupes, entre deux amis. Chaque ami va prendre 5. Si je veux vérifier, je fais le contraire. 5 fois 2. Donc, 5 fois 2 égale 10. Donc, c'est-à-dire que toujours, la multiplication est le contraire ou l'opposé de la division, et même la division est le contraire de la multiplication. On va prendre ces deux exemples-là, qui sont en hausse. Ils disent quoi? Ils disent que Camille utilise une table de multiplication. Il choisit le produit 50. Donc, c'est 50 ici, 50x. Il a rangé les x en 5 rangées. Rangée 1, rangée 2, rangée 3, rangée 4, rangée 5. Il y a 50x. Je veux voir dans chaque rangée, il a eu combien? Il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans chaque rangée égale 10. Parce que 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça donne 50. Parce que 5 fois 10 égale 50. Donc, on regarde ici, la multiplication est très claire. Ici, 5 fois 10 égale 50. On a dit, je répète le nombre et j'ajoute un 0 à l'unité. Maintenant, si je prends la division, c'est le contraire ou l'opposé de la multiplication. Si je prends 50 et je le divise par 10, ça me donne 5. Ou si je divise par 5, ça me donne 10. Donc le tableau ici, ça donne quelque chose de très intéressant. 5 fois 10 égale 50. Si je fais le contraire, je recule en arrière. 50 divisé par 10 égale 5. Encore une fois, 10 fois 5, ça donne 50. Si je prends le contraire et je divise 50 par 5, ça me donne 10. Donc, si je veux utiliser un exemple comme ça extra, si je dis quoi? Si je dis 4 fois 2 égale 8. Et je sais dans la multiplication, je peux faire une switch. 2 fois 4 égale 8 toujours. Très bien. Maintenant, on va prendre l'opposé de la multiplication. On va dire 8 divisé par 2. 8 divisé par 2. Ça me donne combien? Ça me donne 4. Et ça, c'est vrai. Si j'ai 8 pommes, je les divise entre deux amis. Chaque ami va avoir 4. Très bien. Si j'ai 2 fois 4 égale 8, si je fais le contraire, 8 divisé par 4, 8 divisé par 4, chaque ami va prendre combien? 2 pommes. Et voilà, on trouve que la division et la multiplication sont à l'opposé. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.